point que j'ai ici, c'est Lily Rose. C'est ici la chambre de Lily Rose. Trop beau. Oh, mais elle est pas là. Trop bien, je vais pouvoir rester ici. Le toutou de Lily Rose. Oh, je vais tout prendre pour chez moi. Pourquoi ma chambre elle est ouverte? C'est bizarre, j'entends quelqu'un monter les escaliers. Qu'est-ce qui se passe là? Eh oh, y a quelqu'un ici? J'ai l'impression d'entendre un bruit. Oula, c'est vraiment bizarre. Faut que j'aille prévenir Esteban tout de suite, là, ça fait super peur. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis content de faire parce qu'aujourd'hui on fait une surprise pour Lily Rose. Elle va pas tarder à rentrer de l'école là, donc... D'ailleurs elle est là, je pensais pas qu'elle allait arriver aussi vite. Non mais là j'ai un problème. Comment ça un problème? J'entends des bruits dans ma chambre. Des bruits dans ta chambre? Mais je te promets, j'espère que c'est pas encore un monstre ou un truc bizarre, mais je te jure que j'entends des bruits. Mais ça me fait super peur là, vraiment. Mais j'entends des bruits. Mais ça doit être une souris qui est rentrée. À chaque fois tu me crois pas, mais viens voir, je te promets que c'est vrai. Ok, alors, cette fois je veux bien te croire, mais s'il y a rien, je te fais plus jamais confiance là. Comme quoi, des grattements, enfin... Ouais. Qu'est-ce que t'entends? J'entends des bruits de pas et tout. Bon allez, viens. On va aller voir ça. Allez, viens, je te Ah, mais je suis sûr qu'il n'y a rien du tout. Mais je te promets qu'il y a quelque chose. Ouais, bah on va fouiller ta chambre de A à Z. Ouais, tu vas voir. Et je te promets qu'il n'y aura rien du tout. Mais tu vas bien voir qu'il y a quelque chose. Bon, allez. Les amis, je ne la crois pas. Allez, au moins 3 fois par mois, Lily Rose me fait le coup. Ouais, et 3 fois par mois, il y a vraiment quelque chose. Non, la dernière fois que tu m'as dit qu'il y avait un bruit, c'était... C'était la sorcière, donc c'était vrai. C'était une araignée. Sous ton bureau, tu vois quelque chose? Non. Ah, peut-être derrière la glace? Voilà, non, il n'y a rien du tout. Bon, les amis, vous nous demandez peut-être pourquoi la chambre de Lily Rose a un peu changé. C'est parce que ce soir, on doit faire un clip. Il y a un ami de Lily Rose qui vient pour faire une pyjama party. Voilà, donc vous allez voir le clip. Bon, allez, je pense que, à part dans ton placard où ça m'étonnerait que quelqu'un rentre, vu la taille, peut-être sous ton lit. Ah, voilà, sous les couettes. Ah, peut-être ici. Non, il n'y a rien. Attends. Qu'est-ce que tu cherches? Mon doudou. Comment ça ton doudou? Lequel? Il est où? Lequel? Le verre. Le verre? Non mais c'est pas possible, j'ai pas perdu mon doudou quand même. Non mais encore une fois il a dû passer à la machine à laver ou tu as dû le faire tomber. Je le mets jamais à la machine à laver. Ouais bien sûr. Bon, de toute façon t'as vu, il y a rien du tout ici. Mais s'il y a quelque chose là, je te paye 15 doudous si tu veux. Les amis, on parie qu'il y aura rien du tout comme d'hab. Viens voir. Quoi? Attends, mais il y a quelqu'un. Comment ça il y a quelqu'un? Combien qu'il y a quelqu'un? Viens voir. Il y a la sorcière? Non. Qui? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Mais je sais pas. Attends, attends, qui c'est? Non mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, mais c'est qui? C'est qui? T'es qui? Attends, mais Lily Rose? Tu la connais? Mais c'est elle qui a ton doudou en plus. Mais qu'est-ce que tu fais avec mon doudou et un album attends, en plus? Viens, 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 on va... T'inquiète pas, non mais... Elle a l'air d'avoir peur en plus. Ouais. Désolée, mais... C'est sûr que c'est pas un monstre. T'es qui? Non mais attends, une bon... Abonnée? Attends, t'es qui? Une abonnée? Une abonnée, abonnée? Mais une abonnée de quoi? De qui? De YouTube. Une abonnée? Ah, mais oui, c'est une abonnée à notre chaîne YouTube. Mais attends, mais... Mais qu'est-ce que tu fais ici? Comment t'as réussi à rentrer chez nous? Attends, attends, on va pas lui poser trop de questions. Déjà, sors d'ici, s'il ouais. te plaît. Viens, 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 viens. Bon là, les amis, c'est encore plus bizarre que ce que je pensais. Moi, je commençais à y croire un peu à ton histoire de sorcière, mais... Mais là, oui. Une abonnée? Bon, bah déjà, comment tu t'appelles? Julia. Julia? Et t'as quel âge pour rentrer chez nous? 9 ans. Et t'es rentrée chez nous toute seule comme ça? Ouais. Ok. Bon, bah je pense qu'en plus on a résolu une enquête. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans les... Enfin, qu'est-ce que tu fais avec le doudou de Lily Rose dans les mains? Bon, bah... je pense qu'elle-même ne sait pas. Ouais. Tu sais... Et tu voulais un album, c'est ça? Oui. Et du coup, t'es venue chez nous pour prendre un album. Tu penses que ça se fait ça ou pas? Non. Mais tu l'as fait quand même, hein. Bon, bah, comment t'as réussi? Comment t'as eu notre adresse? Bah, j'ai demandé à une copine. Et ta copine, elle connaissait notre adresse? Oui. Et c'est une autre copine qui lui a donné, du coup? Oui.
Ok. Oula. Bon bah je pense qu'on saura jamais ce qui s'est passé hein. Ouais. Bon bah on fait quoi maintenant? On va devoir prévenir tes parents. Moi je peux pas appeler la police, t'es trop jeune. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu rentres chez les gens comme ça? Bon bah en tout cas elle a l'air bon je pense qu'elle est pas méchante hein, les amis. Ouais, ça se voit. Je pense que c'est juste une petite abonnée. T'as quel âge déjà? 9 ans. Ah ouais, 9 ans, mais on peut pas appeler la police. Ouais, on peut pas lui en vouloir. On peut pas, bah si quand même, on rentrait chez les gens comme ça, même à 9 ans. Tu faisais ça, Lily Rose? Non. Tu rentrais chez les youtubeurs à 9 ans? Non. Non, ça se fait pas. Mais par contre, t'as pas l'air méchante. On va appeler tes parents, ça c'est sûr, pour les prévenir. Mais peut-être qu'on a une petite surprise pour toi. Ok. Ok, tu viens voir? Oui. Bon, les amis, elle a vraiment pas l'air méchante, ça me fait un peu de la peine là. Ouais. On va appeler ses parents, on est obligé. Mais avant, on va lui faire une petite surprise. Allez, viens, tu nous suis? Tu connais le Pink Lily Shop ou pas? Oui. Bon allez, viens, viens. On va aller voir en bas. Bon allez, rentrez. Ouais. Bon bah du coup, on a parlé un peu avec Julia, on a coupé la vidéo. Et elle est vraiment pas méchante, c'est vraiment une petite fan. Du coup, et en fait, on va lui faire un petit cadeau. Ce qu'elle voulait, c'était... Elle voulait voir la chambre de Lily Rose en vrai. Je pense que vous êtes très nombreux à vouloir la voir en vrai. Mais elle, malheureusement, elle a vraiment fait. Elle a vraiment fait. Bon par contre, le doudou de Lily Rose, ça non... Ça tu peux nous le rendre. Ça non, c'est... Par contre, ce qu'on peut te proposer à la place, tu connais Kangoo Jump? Oui. Quand même. Et ça fait Kangoo Jump. Bon allez, du coup un petit t-shirt Kangoo Jump, ça te va ou pas? À la place du doudou. Comme ça tu pourras le porter. Bon les amis, on va être sympa. Allez. On va être sympa avec Julia. Par contre, on fait ça avec une seule abonnée hein. Les autres qui viennent, on leur fera pas ça, OK? T'as trouvé un 9-11? 12-14. Non, 12-14, c'est trop grand. Elle a dit qu'elle avait 9 ans. Non, ça va. Regarde, il y en a plein ici. Tac. En vrai, ça passe, non? Alors, 12-14. 9-11. Un 9-11 ou un 12-14? Attends, vas-y, on va comparer. Alors là, il y a Lily Rose qui s'occupe de toi. Je pense que tu n'avais pas prévu ça aujourd'hui. 9-11. Ça dépend, t'aimes bien porter des trucs larges ou pas trop larges? Pas trop. Oh bah, 9-11 alors, c'est allez, 9-11, c'est parti. Voilà. Bon bah maintenant, Julia, par contre, ça va être la partie moins drôle. On va devoir prévenir tes parents. Ouais, désolé. J'espère qu'ils vont pas trop se péter hein, parce que là, là c'est quand même une grosse bêtise. Et tu t'es enfui de chez toi pour venir ou de l'école ou... Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, c'est ça. T'es venu à pied? T'as fait quoi? Bah, je suis partie de ma maison. Non! T'habites pas loin au moins? Ah, ça va alors. Si t'habites pas loin, c'est... Non, bah non, c'est pas bien, mais ça va, c'est mieux. Bon, allez. Heureusement, Julia nous a donné le numéro de téléphone de ses parents. Donc, on va pouvoir l'appeler. On va pas le faire en vidéo parce que, bah voilà, quand même, il y a une limite à tout. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. J'espère que ce sera pas un autre abonné qui va se cacher chez nous. À la prochaine, les amis. Vous pouvez cliquer sur une vidéo qui apparaît sur votre écran. À la prochaine. Ciao, ciao. Bye, bye.